Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc ce matin je me suis levée assez tôt, parce que là bon il est 7h, ça fait un peu mal, surtout car on est rentré plutôt tard. Donc j'allais me coucher et tout, ça a été un peu long. J'avais 2-3 trucs à finir aussi. Je vais faire un effort ce matin, je vais essayer de prendre un petit déjeuner parce que je le fais pas tous les matins, mais là comme la journée va vraiment être très longue, il va vraiment falloir que je mange un petit peu je pense. Et ensuite on va partir pour un shooting photo puisque je vais faire la couverture d'un magazine très prochainement. Donc du coup le shooting photo c'est aujourd'hui. Bon, ma tenue du jour pour aller à ce shooting est extrêmement sommaire pour le moment. J'ai pris d'autres fringues dans un sac, mais en gros j'ai mes petites Vans, j'ai un jean boyfriend qui est plus que boyfriend parce qu'il est super large, et un petit pull en fait, enfin c'est un petit sweat en fait de chez Brandy Melville, donc il est un peu crop et puis il est super loose ici. Et ça c'est l'écharpe Zara que j'ai acheté hier, que je trouve trop belle. Je vais pas la garder pour le shooting, mais là pour ce matin c'est juste parfait parce qu'il recommence à faire un peu froid les potes. Et ouais. Bon, je vous ai pas du tout vlogué la partie maquillage et interview et compagnie qui était très longue puisqu'on est arrivé ici à 9h et que là il est 11h et on va à peine commencer le shooting parce qu'il a fallu faire un ravalement de façade plus que nécessaire. Donc voilà, d'ailleurs ça il faut que je remonte. Bref, donc là du coup on va commencer le shooting photo. J'espère juste que mes cheveux, j'aime bien quand ils sont bouclés, mais il faut que là maintenant ils redescendent. Vous voyez Cassandre derrière qui m'accompagne partout depuis t'as pas du classe. Maintenant je lui demande de venir à chaque fois la pauvre. Donc voilà, bah on va commencer le shooting. Je vais vous faire quelques... Enfin on va vous faire quelques images parce que moi je suis en train de faire des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis on vous dit pas encore pour quel magazine c'est, vous verrez ça très bientôt. Donc voilà. Donc on est dans un endroit à Paris qui s'appelle l'Aérosol. On a l'impression, je crois que c'est une gare désaffectée en fait, qui du coup fait bar aussi. Mais ce qui est cool, c'est pour ça qu'on va faire le shooting ici, c'est qu'il y a plein de graffiti super cool. Donc on va shooter ici là-bas avec les graffitis qu'il y a sur le fond. Je sais pas pourquoi il y a un chien qui passe. À qui est ce chien? Ok. Et non, c'est franchement c'est canon. Il y en a qui sont vraiment trop beaux de graff. J'aime bien en plus les photos avec les graffitis, je trouve ça hyper joli et un peu urbain et tout, donc j'adore. Ça va être très sympa je pense. Même le sol il est tagué en fait. Ouais, ouais, y a pas d'invader, on en cherche et là il y en a pas. Je suis deg. Bon ça y est, du coup première tenue shootée comme vous avez pu le voir, ça c'est fait, donc maintenant on en a une deuxième à shooter, donc c'est un truc beaucoup plus simple puisqu'en fait les fresques, enfin du coup les graphes devant lesquels on shoot sont très colorés ou parfois noir et blanc, donc on avait envie d'un truc un peu sobre. Donc du coup voilà, j'ai mis un petit pull qui vient de chez Miss Gaïdi je crois, avec un jean Zara et des chaussures, donc c'est parti. Deuxième tenue et normalement c'est la dernière. Là on a presque fini, on va faire juste un dernier shoot avec une, bah du coup cette tenue là, mais sur un fond qu'on a déjà shooté tout à l'heure parce que c'était joli. Et ensuite on aura terminé et on va aller déjeuner parce que je commence à avoir très faim. Et voilà. Bon, donc on vient de déjeuner avec Estelle, mais le vlog, est-ce que le vlog t'a manqué? Estelle, la copine de Marie. Tu as manqué au vlog. Et en fait, elle est en train de nous faire visiter les locaux Benefit. Alors en fait, moi je les avais jamais vus, j'avais vu ceux de San Francisco. Mais ça, c'est la cuisine avec le jukebox. Et Estelle, si tu pouvais nous faire une petite démo de baby food. Je sais pas où sont les balles, mais en tout cas, ça fait 3 jours qu'on a ça. Ça fait à peine 3 jours que vous l'avez. Ouais, donc on n'a pas encore eu l'occasion de jouer, mais on est super contents. C'est ouais, trop cool, top. Franchement. Mais... Attends, il y a un smeg. Oh, il y a des casiers. Mais c'est trop mignon. Bon, il y a un frigo smeg.
Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'avais pas vu, c'est trop chou. Est-ce que t'as vu le sol? Ouais, en fait, de toute façon, carreau de ciment. Non mais ça, c'est trop beau quoi. Tout rose et tout. Non mais j'adore, ça fait trop bénéfice, c'est super joli. Bon, je suis bien rentrée de mon petit rendez-vous avec Benefit, de la visite des locaux, c'était super beau comme vous avez pu voir. Enfin moi j'ai vraiment vraiment apprécié, c'était très joli. Et puis en plus je les avais visités à San Francisco, donc j'avais une petite frustration l'idée de pas pouvoir les avoir vus à Paris. Donc là c'est fait, je suis hyper contente, c'était vraiment top. Je me suis un peu posée, j'ai travaillé et là du coup je me suis préparée pour partir à la soirée Fenty, donc by Rihanna. C'est le make-up, du coup la ligne de make-up qui vient de sortir, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'ai vraiment très envie de le faire. Du coup là ce soir on va découvrir les produits. Moi je les ai pas encore vus pour l'instant, donc je suis assez excitée. Je sais qu'il y a, voilà, tout le monde les a déjà vus, ils sont déjà, voilà, il y en a plein qui l'ont déjà acheté, qui les ont déjà reçus. Donc j'ai plutôt hâte. Par contre le seul bémol c'est qu'il y a quand même une réglementation assez stricte pour aller à cette soirée. Donc j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être Rihanna ce soir, donc du coup je pense, enfin je comprends pourquoi c'est très strict. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit d'emmener ma caméra de vlog, mais que j'ai le droit d'emmener mon téléphone. Donc du coup la qualité changera sûrement pour la fin de, enfin pour vlogger, puisque je vais vlogger avec mon iPhone du coup. Donc voilà, vous aurez la fin du vlog avec mon téléphone et plus avec mon appareil photo. Je vais finir de m'habiller et je vais vous faire un mini outfit of the night, mais vous allez voir que c'est super simple ce que j'ai mis. Donc en gros je porte un petit body qui vient de chez Zara, un jean qui vient de chez Zara, ma veste qui vient de chez Missguided, mes chaussures je ne sais absolument plus du tout d'où elles viennent, et mon sac que je me suis acheté l'année dernière pour l'anniversaire qui est un Gucci. Comme ceci, c'est le modèle Dionysos, je crois que vous l'avez vu un peu partout, mais voilà, je me suis acheté ça pour mon anniversaire l'année dernière, je crois que je vous l'avais jamais montré. Donc voilà mon outfit of the day qui est, enfin, très très simple, mais moi vous savez que je suis vraiment une fille simple, donc voilà, voilà pour ça. Bon ben, j'ai rejoint Yoko et Marie, sauf qu'on n'a pas le droit d'apporter des appareils photo, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc du coup ce sera à l'iPhone. C'est pas terrible, je sais, j'en suis désolée, mais pas le choix. It's alright.